Hendrix avait raison. Taylor a un marché avec la NRC. En ce moment, il est sous leur protection dans leur bastion du Caire, les Tours Lotus. Si ce que tu m'as dit est vrai, il nous reste pas bien longtemps avant de devenir aussi fou furieux que lui. Les habitants n'ont pas baissé les bras. On a l'armée égyptienne et la milice civile qui se battent à nos côtés. Une rébellion pourrait prendre la NRC par surprise et fragiliser son emprise. Tout comme leur attaque à Ramsès. On s'en sert comme diversion pour capturer notre homme. Quand on aura Taylor, on cherchera un moyen de tisser ça de notre tête. Coûte que coûte. Et voilà, nous nous retrouvons pour cette 10e partie de Call of Duty Black Ops 3, qui est, je crois, l'avant-dernière, il me semble, ou je sais plus trop. En tout cas, voilà, maintenant, on est sur Taylor, et peut-être que c'est la fin de Taylor. On va bien voir, mais je sais pas si ça sera la fin... Une fois qu'il est mort, on sera au poste de sécurité, et on coupe le système d'aide. Alors, ce sera le coup d'envoi de la révolte. J'en ai rien à foutre de ta révolte à la con. Stop. Putain, Hendrix, mais franchement... Ces amateurs ont pas intérêt à se mettre dans nos pattes. Pétez! Pétez, ne me tuez pas! Putain, c'est ce qui s'appelle se faire défoncer à main nue. Le poste de sécurité le plus proche est au 25e étage. C'est notre cible. Quand vous y serez, je mettrai en surcharge le système d'aide de la NRC. Quand la NRC aura compris à qui elle a affaire, elle va puiser des renforts dans d'autres quartiers de la ville. On doit s'attendre à une forte... Vive la Révolution! Oh! À l'attaque, les gars! Général Hakim donne son discours sur le balcon. N'oubliez pas, l'attaque doit être bonne. Il faut un message, une démonstration. Tenez les gars. Et attend la mort du général Hakim, donnez l'assaut. Coupez le serpent et regardez le corps s'autodétruire. Qu'est-ce que tu fais? Ouvre! Ah d'accord. Encore ces... Putain, mais pourquoi il y a des corbeaux? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Wow. Saloperie de corbeaux! Coucou! Citoyens du Caire! Votre heure est venue! Reprenez votre vie! Wow! Oh le mec, comme il saute lui! C'est un toc de fou! C'est un malade, tu vois! Voilà les gars, prenez les armes et à l'attaque! Viva la Révolution! Mes frères! Récupérons notre ville! Débarrassez le père! Je l'ai énervé! Où tu sors, toi? Mais mec, bouge pas, toi. Ah! Pas par là. Coucou. T'attendais pas, celle-là? Sans moins de date. Attention! Il a des civils dans le périmètre. Merde, c'est des civils. Bon, je les ai pas tués, ça va. Personne n'a rien vu, on dira. Devant vous. Elle nous mènera jusqu'au 25e étage. Bien reçu, c'est parti. Et voilà, arrêtez-les. L'autre, il est en folie, Kali. Oh, qu'est-ce que tu veux, toi? C'est que ça. Oh, attends, comment je fais pour monter, moi? Kali?
Voilà, comme ça. Reste sur le toit. Elle t'emmène jusqu'à l'autre bout. Je nous fais monter. Ouais, c'est... Putain, c'est la révolte. Ta mission va échouer si tu ne les repousses pas. Oh. Oh, tous les corbeaux qu'il y a. Je me battrai aux côtés de mon peuple. Désactive les boutiques mobiles jusqu'à cet étage. Ça te fera gagner assez de temps pour capturer Taylor. Allez, c'est parti. Civil droit devant, ne tirez pas. Les renforts de la NRC. Ils verrouillent tous les âges. Je calcule nos options. Oh, un truc. Merde, c'est des civils, ça. Wow, ça, c'est pas civil du tout, ça. Les boules de yo-yo, là, qu'est-ce qu'ils foutent, là? Il est avec nous, lui? Ah non, putain. Oh putain, moi je fais sauter les trucs à main nue. On y va. On passe le point d'entrée. Trouvez-nous un chemin, Kane. Ce conduit débouche sur le poste de sécurité. Putain de corbeau, vous me faites chier. Vraiment? On n'aura pas mieux que ça. Putain de merde. C'est pas toi, c'est ce truc que t'as dans le crâne. Laisse-moi monter. T'as le mec qui me donnait des coups de pied. Là, le conduit droit devant. Au moins, on les a eus par surprise. Ouais. Oh, ça me fait mal ça. Allez, c'est parti les enculés. Oh. Oh. Branchez-vous à cette console et connectez-moi au système. Pas de soucis. Je préfère ça. Khalil, j'y suis. Surcharge effective dans 3 minutes. Hey Kane, arrêtez un peu de crâner devant Khalil et essayez plutôt de localiser Taylor. Ne déconcentre pas, Hendrix. Taylor est enfermé dans le bloc de détention 7, 90e. Mais qu'est-ce qu'il faut enfermer, lui? Il pourrait se tirer de là sans problème. Pourquoi il reste? À quoi il joue? Putain. Est-ce qu'il... Ça nous voit? Je ne sais pas ce qui reste du vrai Taylor. Je crois que son cerveau a grillé. Ah ouais, c'est chelou. Ah ouais, encore ces putains de corbeaux. Oh. On n'a pas le moindre idée de ce que je viens de voir, mais ça m'a pas l'air super cool. Les systèmes d'aide sont désactivés.
activée. 30 secondes, tenez la position. Lieutenant Khalil, le réseau d'aide est hors d'usage. Vous avez le feu vert. Confirmation. Renfort aérien en route. Imaginez. Putain. Putain, c'est glauque. Oh, c'est la guerre dehors. Oh, c'est la guerre. C'est juste tienne dans la zone. Oh, tout ce qu'il y a. J'ai bien fait de prendre cette arme. Putain. Putain, c'est un massacre. Oh. Putain de massacre. Putain. Eh, hey, ça vous la gardez, hein. Kane, parlons boulot. Comment on rejoint Taylor au plus vite? Prenez cette boutique jusqu'au 90e étage. C'est relié au centre de détention. Ouais? Surveillez Hendrix. Il dépasse les bornes là. Bien sûr. Si c'est pas malheureux, eux seuls contre cette putain de NRC, c'est comme s'ils étaient persuadés d'avoir une chance. On a toujours une chance, Hendrix. Dans moins de 6 mois, ils connaîtront une nouvelle forme d'oppression. Je pèse mes mots. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Ça ressemble à notre arrêt. On est où? Vous êtes juste en... Oh, putain, mais c'est un ninja, cet Hendrix. Il a rien dans la cervelle, mais... Au moins, il a tout dans les jambes. Oh, attends, moi, je veux monter aussi. Suivez le marqueur. Il vous guidera jusqu'au bloc de détention. Taylor devrait y être. Entendu. On est en route. Ça a sauté, ça. Ah, je m'approche. Oh oh. Putain. C'est quand même pas 3 poutres de la montagne qui vont me cacher longtemps, hein. Oh! Vous sautez là? Ok, on saute là. Oh, ça... Ils tombent comme des mouches ici. Oh merde! Il y a une espèce de TRTT là. Ah,
percer des boucliers. Et moi je vais carrément dans les roquettes quoi, je me prends un ban de roquettes. Ah, c'est bien Hendrik, t'as servi à quelque chose pour une fois. Eh ouais les gars, faut défendre vos pieds. Moi, on est au courant. Tu m'impressionnes pas. Et ça fuit comme des petites salopes, hein. Sayer a sécurisé la salle et bloqué l'accès à la porte. J'essaie de contourner ça. Tenez bon, plus que quelques secondes. Bien reçu, Kane. On y est presque. Détruit. Ah, je suis bon. Oh. Hendrix, putain, toi, tu t'en as rien à foutre. Taylor. Taylor, rends-toi. Laisse tomber, John. Il était temps qu'on le chope, celui-là. C'est terminé. Putain. Allez, quoi. Tu me connais. Hendrix. Ouais. Oh, je sens mal. C'est ça, mon frère. T'es toujours là, John? Tu m'entends? Tu comprends pas. Je nous ramène chez nous. On sera à l'abri. On sera tous à l'abri. À l'abri? Putain, putain, c'est quoi, à l'abri? Comment ça, à l'abri? John! John, pars pas! C'est quoi une forêt enneigée? Robot compromis! C'est Taylor qui les contrôle! Wow! Ils sont sur un point d'exploser! Bah voilà, ils ont explosé. Si c'était censé nous détruire, enfin nous tuer, bah putain, c'est. Les robots de la LFC ne répondent plus! Taylor a pris le contrôle en piratant leur intelligence synergique! Truc dans son crâne. Elle s'est retournée. Ils sont en train de faire un massacre, les robots! Dégage toi. Mais où il va comme ça, bordel? Il faut que tu saches où on va. Où est-ce qu'on va? Imagine-toi dans une forêt enneigée. Taylor, c'est pas toi. Ce qu'il y a dans ta tête, c'est pas toi. Tu peux le combattre,
Nos esprits sont connectés. Je sais ce qui se passe. Taylor, t'es là ? Taylor ! Kane, où il est ? Cible identifiée. Sur la passerelle, vers la deuxième tour. Ok, je m'en occupe. Wow. Moi, je saute pas là. Hein. Ah ! Hey Kane ! Unité de génie ? Cette porte doit mener en haut. Oui, ça peut. Oh ! On y va ! Vous feriez mieux de vous manier. Il y a une tempête de sable. Dans moins de 10 minutes, ça va être l'enfer. Ah, génial ! Une tempête de sable. Oh, il y a du monde au portillon. Ouais. Taylor est dans la tour numéro 2. La NRC l'a converti en armurerie et a installé des plateformes d'atterrissage sur le toit. Sordouille. Aide-moi à virer les débris. Il arrive. Eh, pousse un petit peu. Serre-toi un peu de tes jambes. Montre-moi que t'es un homme pour une fois, Henrik. Oh là là. Centrale, j'ai besoin de renforts sur ma position. On est encerclé par les forces de la NRC. Lieutenant Khalil, répondez. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il fait son footing? On a perdu le visuel et le contact. C'est fait capturer par la NRC. Il tente de le capturer. Hey, il en a pas marre de se faire capturer, Khalil? Il est jamais arrivé aussi loin sans son aide. Je sais. Nous devons arrêter Taylor. Je vais écouter les communications de la NRC et trouver où il est. Quand on aura atteint notre objectif, on ira le chercher. C'est promis. Wow! Avant la tempête de sable. Au mieux, quelques minutes. Ne traînez pas. Hé, hey, le suit. Hé, hey, Hendrik, t'as pas remarqué que t'es suivi, là? Kane, il y a un problème. Mes systèmes tombent en rade. Je suis vraiment en train de partir en steak, moi. Wow. C'est quoi ça? Ouais, carrément, quoi. C'est l'infection. L'esprit de Taylor est en surcharge. Je crois qu'il est en train d'endommager ses hôtes. Ne vous laissez pas avoir. Plus facile à dire qu'à faire. Vous devez le combattre. Restez avec moi. Hé, hey. Faut qu'on y aille. Hendrix. C'est plus moi qui a l'air d'être infecté qu'Hendrix, hein. Et alors? Où il est, Kane? Je l'ai.
dans une boutique mobile en train de monter. Putain, c'est vraiment une pute ce Taylor, il fait que fuir. Où on doit aller, Kane? Oh, John. Tu peux arrêter ça. C'est impossible. Ça s'est déjà produit. C'est terminé. Dans ce cas, tu me laisses pas le choix. C'est moi qui presserai la détente. Mais tu veux pas vraiment le faire, hein, Jacob? Ça va aller. Il faut juste te détendre. Ferme les yeux. Visualise la forêt enneigée. Oh, vous et votre forêt enneigée! Putain, vous me cassez vraiment les couilles! Ce n'est pas Taylor que tu entends! T'as foutu en l'air les plans de la CIA dans le monde entier! T'as mis en danger l'accord Winslow! Et tout ça pourquoi? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu en as la moindre idée? Tu n'es qu'un pion! On est tous des pions! T'as pas encore compris? En acceptant ces saloperies d'encras, on a vendu notre âme au premier enfoiré venu! On est des marionnettes. Des acteurs qui font semblant. Aujourd'hui, c'est moi le méchant. Oh. Oh, y a du monde. Taylor déconne avec ton radio. Il se déplace sur le toit. On dirait qu'il essaie de s'emparer d'un aéronef à distance. On peut pas le laisser quitter la tour. Oula. Oh merde. Oula. Putain. Ils sont trop nombreux. Empêche-les d'approcher Hendrix. On charge de Taylor. Je le laisse se démerder. Ouais, il va à main nue. Oh, je vais pas affronter ça quand même! Et je le tue comment ça? Taylor dirige un vaisseau mère de la NRC. Je vous envoie des armes mobiles. Prenez le minigun dans l'armurerie mobile. Il est où? Un minigun? Mais guide-moi! Taylor, il faut que tu m'écoutes. Tu peux arrêter ça! Hey, est-ce que tu sais ce qui se passe là? Je sais que tu m'entends. Je sais que tu peux résister. Minigun, minigun. C'est pas minigun ça. Putain. Du pain sur la planche. Ce qui est en train de t'arriver, c'est dans ton ITN. Ton ITN te montre toutes les options. Et toi seul peux décider de ce que tu acceptes. Le vaisseau mère déploie des raps. Mais quoi? T'étais avec Sarah Hall quand elle est morte. Je sais ce que t'as vu, car j'étais là moi aussi. T'étais avec Hall. Je sais ce qu'elle a vu. Je sais aussi que c'est ma réelle. Rien ne m'est fait. L'heure tourne. Il ne reste qu'une chose à faire. Oh! Putain! Mais pourquoi je lance ça moi? Ah ouais? Parfois, il faut laisser tomber. Moi je laisse pas tomber, mais bordel de merde! C'est dur! Non! Putain, je vais me faire défoncer moi! Alors il m'a dit prenez le minigun, mais super quoi, il t'indique même pas où il est le minigun. Faut que je galope comme ça pendant des heures.
Allez, enculé. Wow! Là, ils vont vraiment trop loin, là. Ah, quoique, attends. Non, il n'y a pas de minigun. Putain, je croyais qu'il y avait un minigun, mais non, il n'y a pas de minigun. Ok, à nous deux, culé. Ah, mais j'adore. Oh non, ça va, oui. Oh, ça... c'est trop, quoi. C'est trop, ça devient trop. Je vous envoie des armures mobiles. Prenez le minigun dans l'armure mobile. Taylor, il faut que tu m'écoutes. Tu peux arrêter ça. Hé, hey, est-ce que tu sais ce qui se passe là? Je sais. Mais c'est n'importe quoi, je me fais tirer quand je fais... c'est ridicule. Le vaisseau mer lance des missiles. Mettez-vous à couvert. T'as du pain sur la planche. Mais non, je veux pas ça, putain, mais complètement fou dans ce truc. Ton IDN te montre toutes les options. Mais toi seul peux décider de ce que tu acceptes de sacrifier. Oh, j'ai tout au méchant, Taylor. T'étais avec Sarah Hall quand elle est morte. Je sais ce que t'as vu, car j'étais là, moi aussi. J'étais avec Hall quand elle est morte. Je sais ce qu'elle a vu. Je sais aussi que c'était pas réel. Rien L'heure tourne. Il ne reste qu'une chose à faire. Tu me connais. Tu peux me faire confiance. Putain. Parfois, il faut laisser tomber. Oh là là, putain, ce que je prends dans la gueule! Oh là, d'accord. Des molosses ? Ah, c'est ça les molosses. Bon, pas cette fois. Coucou. Ok, à nous deux, espèce d'enculé. Oh là là. Je l'ai eu ? Pas encore. Ah,
Ah, ça y est. Barrez-vous en vitesse. Putain, il s'écrase. Putain. C'est le pire crash qui m'a été donné de voir. Eh, tu vas pas me dire que ça te fait mal quand même. Kane, je suis coincé. Bah tire-le. Kane, Hendrix. T'es là. T'es pas toi-même. Il y a quelque chose en toi qui te contrôle. Je sais. Ça doit grandir. Pour tout contrôler. Tu peux prendre le dessus, Taylor. Tu peux prendre le dessus. Faut que je l'enlève. Putain. Oh. Ça va aller. Ça va aller. T'as réussi. C'est fini. On est sauvés. Pas sauvés. Toujours. Là. Ah bon ? Toi. Toi. Hendrix. Non ! Hendrix, mais qu'est-ce que tu fous ? Diaz, Maretti, Hall. Et maintenant Taylor. Ils sont tous morts. Putain. Au rapport, vous avez capturé Taylor ? Il est mort. Hendrix l'a buté. T'as gagné. T'as eu ce que tu voulais. Hendrix ! Putain. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Imagine que tu es dans une forêt enneigée. Tenez bon, j'arrive tout de suite. Oh putain, il est passé du côté obscur. Vous devez me retaper, Kane. Renvoyez-moi au combat. Il faut que j'arrête Hendrix. Coûte que coûte. Oh putain, c'est lui maintenant, le méchant. Si vous vous en sortez comme ça, alors ce sera sans moi. C'est la seule solution. Ça va vous changer. Et plus vite que vous croyez. Je n'ai pas le choix. Il faut que je le fasse. Votre vie entière va... va s'effacer. Vous me voyez comme je suis, Rachel. Ne m'oubliez pas. Oh là là, comme c'est beau. N'oubliez pas la personne que vous étiez. Ben voilà, c'est fini pour cette avant-dernière partie, et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao !